Donc, je vais donner la parole à Monsieur Pascal Garin, directeur adjoint pour la France du projet ITER, qui va nous présenter les enjeux de l'ITER. Monsieur Garin, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur le Président. Je vais présenter le projet ITER et les projets qui sont associés aux recherches qui sont menées actuellement internationalement dans le domaine de la fusion. Je rappelle que la fusion est une énergie nucléaire, au même titre que la fission, mais avec des technologies et des moyens de production radicalement différents. C'est lié au fait que nous utilisons dans ces réacteurs, non pas donc en cassant des noyaux, mais au contraire en essayant de fusionner des noyaux légers, en l'occurrence de l'hydrogène et ses deux isotopes, de façon à générer de l'énergie par défaut de masse. Alors, cette énergie est particulièrement concentrée dans la fusion, dans la mesure où l'énergie qui lie les particules qui constituent les noyaux est particulièrement importante pour les noyaux légers. Et donc, l'énergie que l'on dégage en fusionnant ces noyaux est beaucoup plus importante que celle qu'on leur récupère pour un même noyau en cassant de l'uranium, par exemple, ou du thorium, ou les autres composants lourds, l'optimum étant, les noyaux débustables étant autour du fer. Alors, il existe plusieurs manières de produire de la fusion. La façon la plus naturelle, c'est finalement les étoiles qui nous montrent comment elles le font, hein, simplement par la masse énorme qu'elles ont et la compression gravitationnelle qui en résulte permet d'atteindre des températures qui sont extrêmement élevées et donc arriver à naturellement produire de l'énergie par la fusion des noyaux qui sont au cœur des étoiles. Alors, ce ne sont pas des façons que nous pouvons utiliser sur la Terre, dans la mesure où, évidemment, les masses ou les distances qui sont nécessaires sont absolument inatteignables. Il existe donc deux technologies complémentaires ou concurrentes. La première qui est mise en œuvre dans deux grandes installations, donc une aux États-Unis qui s'appelle le National Ignition Facility et une autre donc dans une installation française au sud de Bordeaux qui s'appelle le Laser Mégajoule, qui consiste à fusionner une petite bille de matériaux fusibles, si je puis dire, en compressant cette bille par des faisceaux laser de très grande intensité et pendant des temps très très courts. Je ne vais pas vous parler de cette technologie, je vais parler d'une autre technologie, donc qui est ce qu'on appelle le confinement par magnétique, qui est au contraire d'isoler ce gaz très chaud qu'on a besoin de créer au sein d'un champ magnétique très intense, qui permet donc d'isoler thermiquement ce gaz qui est porté à des températures de plus de 100 millions de degrés, des parois matérielles qui sont évidemment nécessaires pour entourer ce gaz très chaud. Alors, ce sont des technologies qui sont complexes. J'aurai l'occasion d'y revenir dessus lorsque je parlerai de façon plus détaillée du projet ITER, mais qui présentent des avantages extrêmement intéressants à long terme, dans la mesure où le combustible qui est utilisé pour la fusion, c'est essentiellement de l'eau et du lithium. Pour donner un ordre de grandeur, 45 litres d'eau, donc à peu près la moitié d'une baignoire, associé à le lithium que vous avez dans une batterie d'ordinateur portable, de portable, vous permet d'assurer la fourniture en électricité pour une trentaine d'années d'un citoyen européen. Donc, vous voyez, une concentration terrible de l'énergie grâce aux propriétés de la matière, finalement, qui sont naturelles. La deuxième caractéristique et la raison pour laquelle la fusion est considérée comme une option intéressante à long terme est le fait que peu de déchets sont générés par la filière fusion et en tout cas pas de déchets à haute intensité puisqu'on n'utilise pas ces matériaux. Il y a un troisième point qui est particulièrement important dans les temps que nous traversons en ce moment, qui est ce que nous on appelle la sûreté intrinsèque, qui est le fait qu'il n'y a pas de chaleur résiduelle dans un réacteur de fusion, dans la mesure où la quantité de combustible qui est dans le réacteur est de quelques grammes seulement. Et en fait, d'ailleurs, c'est bien une difficulté que nous rencontrons dans ces machines, c'est qu'il faut porter à haute température et maintenir la réaction
et c'est compliqué. Donc en fait, les réacteurs de fusion n'ont pas ce problème de chaleur résiduelle des réacteurs de fission. Bon, évidemment, comme les réacteurs de fission, on ne génère pas de gaz à effet de serre, puisque donc il n'y a pas de brûlage de matériaux qui génèrent du CO2 ou d'autres gaz à effet de serre. Alors, je vais venir maintenant à un peu la stratégie de développement de la fusion. C'est une stratégie à très long terme et qui est différenciée suivant les partenaires mondiaux. Si je prends l'Europe et le Japon, qui sont des territoires qui ne possèdent peu ou pas de ressources naturelles, l'accent est porté essentiellement sur la production d'énergie. L'application des recherches qui sont menées sur la fusion dans ces deux partenaires est clairement la génération d'énergie le plus rapidement possible. Ce n'est pas le cas des États-Unis qui ont une filière, qui ont évidemment des ressources naturelles sur leur territoire importantes, donc finalement ils ont plutôt axé les recherches sur la fusion vers la science. Et même s'ils contribuent au projet ITER, leur propre recherche domestique est quand même essentiellement la physique des plasmas et encore assez peu de travail pour la filière proprement dite sur laquelle je reviendrai à la fin de l'exposé. Donc ITER est en fait la première étape de ces recherches, de façon significative, dans la mesure où c'est la démonstration scientifique qui est visée par cette installation internationale. L'objectif principal est de démontrer qu'on peut générer de l'énergie de fusion à une puissance significative, qui est en gros de 500 MW thermique, sur des durées significatives, qui se chiffrent en milliers de secondes. La fusion a considéré que c'était la première étape à franchir dans la mesure où il faut être capable de démontrer qu'on sait maîtriser ce plasma, ce gaz très chaud, qui est sujet à tout un tas d'instabilités, et qu'il faut parfaitement stabiliser. Il faut également échanger la chaleur qui est générée par les réactions de fusion par les éléments matériels qui entourent ce plasma. Et donc, c'est l'objectif principal de cette installation qui est d'en faire cette démonstration scientifique. La deuxième étape qui est prévue après la construction d'ITER est une étape que nous appelons « démo », qui est en fait ce que je qualifierais d'un démonstrateur technologique qui vise en fait à intégrer dans cette machine la totalité des technologies donc nécessaires pour faire de l'électricité. ITER ne produira pas d'électricité, DEMO en produira de façon non fiable, je tiens à le dire tout de suite, ce n'est pas une machine industrielle, c'est encore un démonstrateur, mais en particulier, DEMO devrait intégrer des matériaux qui résistent à des flux neutroniques extrêmement intenses, dans la mesure où les neutrons qui sont produits par réaction de fusion sont de 14 MeV, donc de façon beaucoup plus importante, d'énergie beaucoup plus importante que ceux produits par les réactions de fission. Et donc il est important de vérifier qu'on est capable de construire une machine qui résiste à ces flux de neutrons, ainsi que toutes les charges thermiques qui sont générées par les réactions de fusion et dans son échange avec les parois matérielles. Il y a un autre aspect aussi qui sera important dans des mots, qui est ce que j'appelle le cycle du combustible. La fusion, comme je vous l'ai dit, utilise essentiellement du deutérium, qui est un des isotopes de l'hydrogène, et du lithium comme combustible primaire. Et donc, il faut bien s'assurer que ces deux combustibles, associés donc dans le cycle interne de la machine, peut générer le tritium, qui est un élément temporaire qui est utilisé dans les réactions de fusion. Et ce cycle ne sera que partiellement vérifié dans ITER. Donc, DEMO devrait être une machine qui permet de faire cette démonstration. Et puis, logiquement, DEMO sera suivi d'une filière industrielle avec des prototypes, etc. Voilà, donc c'est un effort qui est long dans le temps. C'est évidemment un reproche qui est souvent fait à la fusion. Et je me garderai bien aujourd'hui de faire la moindre prospective temporelle quant aux échéances de cette filière qui peut varier considérablement suivant les efforts financiers qu'on veut bien consentir.
Alors j'en viens maintenant à ITER plus précisément. Donc ITER, vous savez, est une machine donc, qui est en cours de construction à Cadarache en ce moment, donc qui regroupe 7 partenaires internationaux, donc, dont le principal est l'Europe. Et au sein de l'Europe, la France, j'y reviendrai, mais sont associés les États-Unis d'Amérique, le Japon, la Russie, qui ont été les premiers membres fondateurs des recherches sur ce projet. Et plus récemment, donc, on rejoint ce projet la Corée du Sud, la Chine et l'Inde. Donc ces 7 partenaires, donc, qui représentent plus de la moitié de la population mondiale, et donc avec les 2 pays émergents très forts que sont la Chine et l'Inde, ont considéré effectivement que mettre ensemble leurs efforts permettait d'arriver à la construction d'une machine intéressante au plan scientifique et technologique, dans un délai raisonnable, et avec des ambitions financières, je dirais, qui sont partagées. Donc c'est un peu l'astuce qui a été trouvée pour ce projet. Alors, je dirais, à contrario, ce partenariat et l'organisation qui a été mise en place rend assez compliqué l'organisation proprement dite du projet, puisque, en fait, suite au traité donc, qui a été signé à l'Élysée en décembre 2006, une organisation internationale a été mise en place, donc, qui s'appelle ITER Organization, donc, dont le siège social donc, est à Cadarache, enfin à Saint-Paul-et-Durance, qui est la commune donc, qui abrite Cadarache. Et cette organisation internationale définit la machine, définira le programme expérimental et mettra en œuvre ce programme expérimental. La fourniture des composants de la machine est en fait à travers ce que nous appelons des agences domestiques, qui sont donc des agences de fourniture de ces composants, suivant les spécifications définies par l'organisation internationale. Donc l'agence européenne est à Barcelone, donc s'appelle Fusion for Energy, et donc a en charge les 5 onzièmes de contribution du projet, donc une fois de plus sur la base des spécifications qui sont émises par l'organisation internationale. Alors la France représente évidemment un point un peu particulier dans la mesure où c'est le pays hôte donc, de l'organisation internationale, donc il y a un certain devoir qui incombe à notre pays. C'est également un fournisseur important financièrement, donc, puisque la France, le gouvernement français a accepté de contribuer à hauteur de 20% des engagements européens, donc ce qui représente une somme d'argent tout à fait considérable. Et évidemment, la France a eu comme responsabilité de préparer le site, de le viabiliser, de mettre à disposition une école internationale pour les enfants des ressortissants étrangers qui sont hébergés dans la région PACA, et de finaliser un itinéraire pour des charges très lourdes qui sont nécessaires pour la construction de la machine. Donc là aussi, la France, grâce à un accord finalement qui a été trouvé entre les collectivités locales, l'État et le commissaire à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui actuellement assure le rôle de l'agence française pour la mise en œuvre de ces engagements, et donc on est en étroite relation avec l'agence européenne et l'organisation internationale. Alors, je voudrais terminer quand même l'exposé par un autre accord dont on parle assez peu et qui me semble important pour les recherches sur la fusion, qui s'appelle Approche élargie, ou Broader Approach en anglais, et qui est un accord qui résulte du choix de Cadarache comme site pour ITER, et qui, finalement, est un accord qui permet au Japon, qui, vous savez, était le principal concurrent pour héberger ce projet, et d'équilibrer finalement les recherches qui sont faites autour d'ITER, donc qui visent cette première étape que j'ai rappelée donc en tant que démonstration scientifique, et une deuxième étape qui est démo. Alors cet accord de l'approche élargie, dont beaucoup de recherches sont menées sur le territoire japonais, alors il m'est cher aussi à titre personnel, puisque j'ai passé 4 ans au Japon, à Rokkasho, pour diriger un des 3 projets de cet accord, il prépare en fait cette étape technologique à travers 3 projets que je vais rapidement rappeler. Le premier est un projet d'accélérateur pour irradier une cible lithium et générer des neutrons de 14 MeV. Donc c'est un projet qui est complémentaire au projet qui vient d'être présenté,
et qui permettrait finalement de disposer d'une source de neutrons pour irradiation particulièrement bien adaptée à la fusion, mais qui pourrait être aussi intéressante pour les recherches sur les matériaux pour les réacteurs à neutrons rapides, parce que le spectre est finalement assez large, et en particulier vers d'énergie plus basse que l'énergie de 14 MeV. Donc, par contre, l'enjeu est de construire un accélérateur qui doit délivrer un faisceau de 2 tonnes de 125 mA en continu, ce qui est une intensité considérable qui n'a jamais été obtenue jusqu'à présent dans les accélérateurs mondiaux. Il y a un deuxième projet qui est également à Rocacho qui est en train d'être finalisé, qui est la construction d'un ensemble de moyens, dont un supercalculateur, qui est fourni par la France d'ailleurs, et par une compagnie française, et qui fournira 1,3 pétaflop de capacité de calcul, qui est une très grande capacité, je dirais, qui s'est mise à disposition des scientifiques et des chercheurs, associée à un laboratoire qui permet également d'étudier les matériaux pour démo. Et le troisième projet, alors lui, il n'est pas à Rocacho, il est à Naka, à côté de dans la préfecture d'Ibaraki, qui est une machine japonaise à laquelle l'Europe contribue de façon extrêmement importante pour également servir de complément à ITER et finalement préparer aussi les générations d'expérimentateurs, de physiciens à l'expérimentation d'ITER qui, comme vous le savez, démarrera, je dirais, à la fin de cette décennie, hein, logiquement 2019, d'après les derniers plannings, en ce moment un ITER Council à Cadarache. Et malheureusement, la catastrophe que le Japon a vécue le 11 mars dernier a entraîné, de par la réduction du capacité de production électrique et un certain nombre d'ennuis chez les industriels japonais, a retardé la livraison de certains de composants importants qui sont sur le chemin critique de ITER. Et puis le démarrage réellement, donc première expérimentation, je dirais, en 2019-2020, et logiquement, les premières expériences de tritium, qui sont vraiment les expériences qui montreront la capacité de ITER à fournir de l'énergie vers 2027. Voilà, donc pour conclure, je voudrais rappeler donc ces trois étapes qui semblent importantes, qui sont importantes pour la filière fusion. La démonstration scientifique avec ITER en cours de construction. La démonstration technologique avec un réacteur qui sera plutôt vers le milieu du siècle, donc que nous appelons démo. Il y en aura peut-être plusieurs, d'ailleurs on peut l'espérer. Et puis donc la filière industrielle, j'irai clairement vers la seconde moitié de ce siècle. Donc vous voyez des activités qui sont à long terme, mais dont les enjeux que j'ai rappelés au début de mon exposé, j'espère, justifient les efforts qui sont faits à la fois financièrement et scientifiquement pour mettre à disposition de l'humanité cette source d'énergie. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur David. Ces interventions nous ont permis de mieux appréhender l'avenir de la filière nucléaire. Et j'ouvre maintenant, après que Monsieur Birot soit parti, le débat. Et je donne d'abord la parole aux membres de notre mission, puis à nos experts et représentants de la presse, qui, parmi les missions, qui... une question.